Le coup prêt est tombé. Le 10 juillet, à l'issue du Conseil des ministres, la radio-télévision ivoirienne se retrouve sans directeur. Faucenidem Nidembele, qui dirigeait le groupe depuis février 2019, a été relevé de ses fonctions. Le chef de l'État a tenu à rappeler qu'il avait instruit Monsieur le vice-président de regarder de façon plus accrue la gestion donc des entreprises publiques. Conformément à cette instruction, des contrôles et audits ont été diligentés et ont révélé des dysfonctionnements et des problèmes de gestion et de gouvernance dans certaines entreprises publiques. Suite aux premières constatations issues de ces contrôles, le chef de l'État a décidé de relever de leurs fonctions respectives le directeur général du Conseil Coton-Anacard et le directeur général de la radio-télédiffusion ivoirienne. La Maison-Bleue connaît depuis des mois un vent de tension, des crispations qui portent notamment sur les acquis sociaux des syndiqués contactés par nos soins. La direction du SININFO n'a pas souhaité réagir à la nouvelle.